Avec le foyer, là, l'amour seul ne suffit pas. Il faut l'amour avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. C'est pas parce qu'on a dit que c'est ton âme sœur qu'en même temps vous devez vous être identique. C'est-à-dire que tu aimes Gary, la personne aime Gary. Tu aimes Gary avec lait, la personne en même temps aime Gary avec lait. La personne ne peut pas aimer son Gary avec sucre. Non, ça veut dire qu'il y a un problème. Non. Acceptez la différence. Acceptez le fait que vous êtes deux êtres humains différents. Hein? Différents, avec des gènes différents. Avec des envies différentes. Des passions différentes. Les hobbies, les phobies, tout va être différent. Parce que vous n'êtes pas pareil. Vous êtes de nature humaine, mais vous n'avez pas le même fonctionnement. Chacun est unique en son genre. Donc, relation là, ça demande beaucoup de concessions. Tu dois pouvoir... C'est-à-dire qu'il y aura un moment où tu vas faire beaucoup de sacrifices pour l'autre. L'autre aussi doit pouvoir faire des sacrifices aussi pour toi, pour t'accepter. C'est parce que vous ne vous acceptez pas là, que vous êtes toujours en train de vous battre. Non, pourquoi toi tu es comme ça? Pourquoi toi-même tu es comme ça? C'est ton côté là, mais qui ne me plaît pas. Faut prendre ce qui te plaît là. Faut te concentrer sur ce qui te plaît là. Faut te concentrer sur ce qui te plaît là. Le reste là, faut laisser ça dans la main de Dieu. Tu n'as pas créé quelqu'un. Entre nous ici, on est tout la tête. La personne n'a créé son camarade. Personne. Donc tu aimes là. Il faut prendre tout. Et même si tu dois corriger là, tu dois corriger avec beaucoup de patience et beaucoup de sagesse. Comprendre aussi que la personne ne pourra pas aller peut-être au rythme que tu veux. Donc beaucoup de sagesse pour ça. C'est pas que non, tu vis en même temps, tu commences à chambouler tout. La personne va commencer à faire les choses que tu veux. C'est ça, c'est cette attitude-là qui pousse certaines personnes à faire semblant. Ils savent que c'est ce que tu veux, ils vont faire semblant jusqu'à et puis un matin, ils vont chier tout pour te donner. Puis ils prennent leur route et s'en vont. Dans la paix du Christ. Soyez beaucoup patients. Voilà. Beaucoup de sagesse accompagnée de l'amour. Sinon, si c'est ça, là, pour un oui, pour un non, vous allez vous énerver, tout gâter. Et puis chacun va prendre sa route. Pour dire non, que non, je n'étais pas dans le bon endroit. Mais pourtant, c'était la bonne personne. Mais tu n'as pas été impatient, tu n'as pas été sage. Donc, vous avez laissé passer comme ça. Hein? Beaucoup de courage.